Yo la famille, c'est comment? C'est votre MC Viteriton. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va superbement bien. Je prie que Dieu garde tous mes abonnés, tous mes plus de 40 000 abonnés amassés sur Héritage de Chasse TV. Je prie que Dieu vous garde en pleine santé, en très 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 bonne santé, pour faire le privilège et la grâce de voir 2019. Que cette nouvelle année qui s'annonce là soit une année de réussite, de paix, de joie et de santé de fait, de succès dans toutes vos entreprises, mes abonnés. Sachez que je ne cesserai de vous dire merci du plus profond du cœur. Vous êtes comme une deuxième famille pour moi, sachez-le. Je vous aime tous, je dis bien tous, admirateurs, attacheurs, critiqueurs, en tout cas, vous tous, je vous aime. Que Dieu vous bénisse au maximum. Mais restez prudent. Et pour déconner, j'ai fait cette vidéo là dans cette position là pour que vous voyez au moins mes pieds. Parce que mine de rien, plus de 480 vidéos sans voir les jambes de votre héritage que je suis, franchement, c'était pas cool. Parce que la seule fois que j'ai fait une vidéo à arrêter, j'avais porté un pantalon. Vous voyez, j'ai des petits petits pieds. Voilà. Mais c'est naissance, comme on dit, c'est dedans. Voilà, c'est dedans. Donc, comme je vous disais, je crois ce matin, j'avais prévu de faire cette vidéo là pour parler un peu à tous les artistes coupés décalés et profiter pour leur souhaiter mes vœux les meilleurs. Mais avant, il est bien de souligner aussi que moi je voyais, j'espérais voir certaines réconciliations avant l'année 2019. J'espérais de tout cœur les voir, mais malheureusement c'est pas arrivé. J'espère qu'en 2019, mon coupé décalé, ma musique ivoirienne aura un autre visage. Les amis, moi en fin 2018 là, j'espérais voir par exemple un DJ Arafat réconcilié pour de vrai avec Serge Beno. Un Serge Beno réconcilié pour de vrai avec Desbordeaux. Un Desbordeaux réconcilié pour de vrai avec DJ Arafat. Un Desbordeaux réconcilié pour de vrai avec DJ Mix. Mais c'est pas bien grave. Mais je sais que pour cette nouvelle année 2019 là, vous allez nous surprendre. Vous allez nous surprendre. Et moi, j'ai foi à cette réconciliation-là. Je prends par exemple le cas Serge Beno. Serge Beno nous clame tout le temps qu'il n'a aucun problème avec un artiste du coupé décalé. Mais ce que je vais vous demander aussi, c'est de quelque part le comprendre. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement d'événements. Quand je parle d'événements, d'événements négatifs, je parle de ces clashs où ils sont allés même jusqu'à insulter ce qu'on ne devait pas. Où il y a eu des propos qui ont été vraiment blessants, qui ont frustré l'artiste. Donc à la limite, il est sur ses gardes, il se méfie. Mais en même temps, Serge Beno, moi, en tant que frère, en tant que petit frère, je crois, petit frère, au moins c'est 2 ans d'écart d'âge, j'aimerais bien que tu fasses tabula rasa. J'aimerais bien que tu fasses table rase de tout ce qui s'est passé depuis 2016 jusqu'en 2018. Vous ne pas dire tout ce qui s'est passé en cette année 2018 là. 2019 est une nouvelle année. Dieu merci, ta carrière marche très fort. Et nous tous, fans du coupé décalé, nous en réjouissons. Nous sommes très heureux. Moi particulièrement, je suis très heureux de te voir percer dans ta carrière. Mais tu sais avec moi, tu conviens avec moi qu'il serait encore plus intéressant d'être en paix et en harmonie avec tout le monde. Comprenez par mon message, comprenez par mes vidéos, que vous, je ne vous demande pas de faire ami-ami entre vous. Mais au moins, il faut instaurer une certaine solidarité, de telle sorte que quand toi, Serge Beno, tu es en compétition quelque part, c'est tous les fans du coupé décalé qui sont derrière toi. Quand DJ Arafat est quelque part dans une compétition, c'est tous les fans du coupé décalé qui sont avec lui. Desbordeaux Likoufa. Desbordeaux Likoufa. Un artiste très incompris, un artiste que tout le monde insulte aujourd'hui pour des raisons bien connues. L'artiste a ses défauts, mais sachez que l'artiste aussi a ses raisons. Arrêtons de minimiser nos artistes. Arrêtons de rabaisser nos artistes pour cette année 2019, les amis. Parce que
Ça sera toujours blessant de se voir insulté par les fans d'un autre artiste. Et tant que cela existera, cette guerre qui n'a même pas lieu d'être, cette guerre inutile là dans le coupé décalé, va toujours persister. Les amis, je ne compte pas dans ce showbiz là, ça je peux vous le rassurer. Je ne compte vraiment, vraiment pas. Mais je me dis par ma petite voix, certaines choses peuvent changer. Je veux voir un des Bordeaux en train de faire un featuring avec Serge Beno qui va cartonner. Je veux voir un Kérosène en train de faire un featuring avec Didier Arafat qui va cartonner. Je veux voir un artiste Léo qui est, on va dire, très solitaire, qui se met très loin à la limite de la sphère du showbiz, pour ne pas dire du coupé décalé, et qui mène bien sa petite vie, se rapprocher plus de ses amis, à faire des collaborations pour être encore plus fort à l'extérieur. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ça le contenu de mon message, les amis. Arrêtons toujours là d'insulter, de frustrer, de blesser nos artistes. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange guère. Je veux qu'une année 2019 soit une année de paix, de réelle réconciliation et d'union entre nos artistes. Il faut que 2019 soit une année qui va marquer le retour phénoménal du coupé décalé sur la scène internationale, sur le plan international, sur le podium international, les amis. Ça ne dépend pas de nos artistes, ça dépend de nous les fans, les amis. Ça dépend de nous les fans. Essayons d'être un peu amour. Arrêtons là. Arrêtons là pour tout le temps juger, pour tout le temps critiquer, pour tout le temps insulter. Parce que simplement, il y a des accords quelque part. Non. Aujourd'hui, le Mola et Didier Arafat sont réconciliés. Dieu merci. Aujourd'hui, après combien d'années, bébé Philippe et Didier Arafat sont réconciliés. Dieu merci. Mais pourquoi pas continuer dans cette même élan-là. Vous voir tous réunis. Quand un a son concert, nous tous, on s'en va soutenir. Quand un fait sortir son album, nous tous, on s'en va acheter. Et je salue comme ça au passage ce grand geste-là du jeune Safari Loubian qui a son concert avec son confrère à Alchimé demain, le 1er janvier, à l'Ivoire Golf Club. Le concert a déjà réussi. Mais franchement, je te tire mon chapeau, frère. C'est ça, un bon challenge. Il y a eu beaucoup de challenges, hein, on sait. Mais je pense que la palme d'or du challenge 2018 là doit revenir à Safarel. Challenge utile qui va aider à recevoir un disque d'or de son confrère. 500 CD. Tu dis que tu as l'argent. Tu dis que tu es fort. Tu dis que tu es un boucantier. Faut montrer à Safarel que 500 CD c'est rien. Toi va achète 1000 CD. Lui fait la vidéo. Si on rentre dans cet élan là, je pense que le disque va venir en moins d'un mois. J'aimerais aussi par cette vidéo féliciter un artiste coupé décalé, Kedjemera, qui a fait un énorme boulot avec son poulet MC One. Franchement, Zungaporio, big up à toi. Toi, tu es un vrai producteur. Tu es un vrai producteur, tu es un homme sans bruit qui fait ce qu'il a à faire et qui évolue. Les amis, 2019 là, on doit s'imposer à l'international. Donc Serge Beno, réconcilie-toi avec Didier Arafat. Debordo, réconcilie-toi avec Serge Beno et Didier Arafat. Debordo, réconcilie-toi avec DJ Mix. Réconciliez-vous les amis. Moi, c'est ce que je souhaite pour cette nouvelle année 2019 qui arrive. C'est ce que je vous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mettez votre fierté de côté. Mettez votre orgueil de côté. Et puis allez à la paix. Allez à la réconciliation, les amis. C'était mon jeune frère irritant, hein? C'était mon message. Beaucoup, beaucoup de succès dans toutes vos carrières. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans toutes vos carrières. Beaucoup de santé. Et beaucoup de sagesse. Merci, c'était moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la parce que c'est un message fort que je voulais envoyer à tous les artistes coupés décalés. Merci, merci, merci.
Et bonne et heureuse année en avance à tous mes abonnés. Et à tous ceux qui m'aiment et à ceux qui ne m'aiment pas. C'était Eric. Ciao, ciao les amis.